Accompagné par des leaders de partis politiques alliés soutenant sa candidature au second tour de l'élection présidentielle, Mohamed Bazoum a été accueilli par une foule de militants à Zinder, une ville du sud du Niger. Pour son dernier meeting de campagne, le candidat du parti au pouvoir et les autres leaders qui l'accompagnent ont demandé aux militants du PNDS-Tahrir et des formations politiques alliées d'accorder le 21 février 2021 leur suffrage à Mohamed Bazoum. Voter pour un candidat en fonction de son programme. Le président Bazoum vient en tant que candidat de vous parler de son programme. Voter pour son programme. Évoquant son programme de société, Mohamed Bazoum a annoncé dans le volet infrastructure la construction et le bitumage de plusieurs voies pour désenclaver les zones rurales dans les départements de Magaria, Matamei, Dungas, Damagaram Takia et Gouré. En outre, le réseau de renforcement d'adduction d'eau de la ville de Zinder va connaître un second souffle avec la mise en place de 20 nouveaux forages sur le site de Ganaram, selon Mohamed Bazoum. Vous irez choisir votre président le 21 février prochain et je compte sur vous, population de Zinder. Choisissez mon programme. Ce n'est pas un programme conçu entre les deux tours. Je l'ai fait il y a plus de 6 mois. millions de Nigériens sont appelés aux urnes le 21 février 2021 pour choisir qui entre Mohamed Bazoum du PNDS-Tahrir et Mahamane Ousmane du RDR-Tchendji présidera aux destinées du Niger.